Aujourd'hui, nous embarquons pour faire un long et difficile voyage. On ne rentrera à la maison qu'avec Gilad. Avec l'aide des gens qui vont se joindre à nous, on reviendra à la maison avec Gilad. Bonne chance à tous. Gilad attend depuis 4 longues années. Il est toujours en train d'attendre. Il attend une réponse des commandants de l'armée, une réponse du Premier ministre et du ministre de la Défense. Mais ils ne répondent pas. Ils le paient de sa liberté et d'une absence totale du respect des droits de l'homme. Même les animaux vivent dans de meilleures conditions. Au moins, eux ne vivent pas entre quatre murs sans soleil. «